À la base d'un service impeccable accordé au client, il y a la possibilité pour lui de vous contacter et en particulier de contacter des interlocuteurs spécialisés, par exemple le webmaster pour un problème technique ou le service client pour un problème de commande. Vous pouvez ajouter autant de contacts que vous voulez par le menu Client et l'article Contact. Vous serez... Ainsi, dans une interface d'administration où vous pourrez ajouter un contact, soit en cliquant ici, soit en cliquant sur le petit bouton bleu, ce qui revient au même. Nous allons ajouter ici non pas uniquement un titre de civilité, mais le nom du contact. Par exemple, ici, ça peut être un nom, mais ça peut être également votre conseiller. Et puis, si nous sommes multilingues, eh nous allons pouvoir, dans les différentes langues, gérer la traduction simultanée. Donc vous rentrerez également le nom en allemand et le nom en anglais. Donc pour l'instant, nous allons rester en français. Et puis l'adresse e-mail. Et enfin, est-ce que l'on enregistre ou non euh, les messages dans l'interface du back-office Il est préférable de cocher oui. Pour cette option, de manière à garder une trace des messages qui ont été reçus et que vous puissiez ainsi effectuer un contrôle sur le bon travail de vos collaborateurs. Vous pouvez également ajouter une description. Et puis, lorsque tous les paramètres auront été saisis, et eh bien vous pourrez cliquer sur Enregistrer afin de pouvoir terminer l'enregistrement de ce conseiller qui désormais apparaît dans la liste. Si on se rend sur la page d'accueil, tout en bas dans le bloc de pied de page, le client pourra cliquer sur Contactez-nous et lorsqu'il enverra un message, il pourra choisir la destination de ce message. Vous voyez que notre conseiller ici est bien présent. Le client saisira donc son adresse email, la référence de sa commande éventuellement, il pourra choisir et envoyer un fichier si cette option est autorisée, en l'occurrence, ici, elle est encore autorisée. Et puis, il saisira son message et vous l'enverra. Une fois le message envoyé, le client sera prévenu que le message est bien parti et il sera donc en attente d'une réponse. Dans le back office, vous voyez que au départ, nous avions le webmaster et le service client, nous avons également maintenant votre conseiller avec l'indication qu'un nouveau message est arrivé. Nous avons également ici l'indication qu'un nouveau message est arrivé. On peut cliquer et voir que monsieur machin à truc.com nous a envoyé un message. On peut également aller consulter ce message et répondre au client. On voit ici que la réponse est favorable. Le client nous a demandé si nous pratiquerons des soldes. Eh bien oui, tous les articles seront à moins 30% et nous allons répondre à notre client. Vous pourrez en temps réel suivre le fil de la discussion et vous pourrez également marquer les messages, c'est-à-dire les marquer comme étant en attente, on les traitera plus tard, marquer comme en attente d'eux sera traité encore plus tard, ou transférer éventuellement la discussion euh, à un autre employé. Et vous avez en bas un historique de la commande et des messages, ce qui permet à un autre employé qui va reprendre en cours de route cette conversation d'avoir un historique de celle-ci et de pouvoir euh, répondre de manière pertinente au client. Donc vous voyez que le système de contact, de messagerie et d'après-vente est doté d'outils qui sont à la fois simples, mais extrêmement efficaces et qui vont vous permettre d'apporter un service de première qualité à vos clients.